Bonjour chers élèves. Bienvenue à l'école à domicile. Je suis monsieur Landou Omer Désiré, professeur de SVT 3 Nous allons voir aujourd'hui la découverte de la sérothérapie à partir de la diphtérie. À la fin de la leçon, chaque élève doit être capable d'expliquer l'origine de la vaccination et de la sérothérapie à partir de la variole et de la diphtérie. Nous allons réviser. Définis les termes suivants microbes pathogènes. Cite les moyens de défense de l'organisme contre les microbes. Les consignes. Connaître la définition des microbes pathogènes. Citer les moyens de défense de l'organisme contre les microbes. Comme réponse aux questions posées, un microbe pathogène est un microbe responsable d'une maladie. Les moyens de défense de l'organisme humain contre les microbes sont la défense naturelle, qui est assurée par les barrières et la phagocytose, et la défense artificielle, qui est assurée par les vaccins et les sérums. L'historique de Bering et la sérothérapie. Suite à une mortalité élevée provoquée par la diphtérie, Bering, médecin anglais, vers 1890, procéda à une série d'expériences. Il inocula, c'est-à-dire il injecta à des animaux comme les cobayes soumis à l'expérimentation. Donc il va injecter des toxines. Diphtériques atténué ou encore anatoxine diphtériques. Et après cela, il constatait que ces animaux étaient toutefois immunisés, c'est-à-dire protégés de plus en plus par des substances capables de neutraliser des toxines virulentes. Ce sont donc des anatoxines produite par l'organisme. Donc l'organisme qui a été sensibilisé en réaction donc produit des substances qu'on appelle des anatoxines. Enfin, après avoir fait cette opération, il va maintenant recueillir du sang de cet animal et il va recueillir un sérum riche en antitoxines ou en anticorps. Et c'est là la découverte du sérum sanguin. Alors, du point de vue de ce qui concerne une anatoxine. Alors, une anatoxine, c'est quoi Eh bien, c'est une toxine atténuée. C'est-à-dire, un microbe qui a perdu son pouvoir de virulence. C'est ça qu'on appelle anatoxine atténuée. Et à partir de ce qu'il a eu à faire, à partir des travaux de Bering, on est arrivé donc à la découverte du sérum anti antidiphtérique. Nous allons nous exercer, définir les termes suivants. La sérothérapie, la vaccinothérapie et l'anatoxithérapie. Consigne à partir des explications reçues. Vous expliquez les termes que nous venons de citer. Réponse à la question posée. La sérothérapie est un traitement fait à base de sérums à titre curatif, c'est-à-dire pour soigner. Pour guérir. La vaccinothérapie est un traitement fait à base des vaccins à titre préventif. L'anatoxythérapie est un traitement fait à base d'anatoxine à titre préventif. Prenez le cahier et vous recopiez. La diphtérie est une maladie infectieuse qui attaque surtout les enfants de 2 à 5 ans. Elle est causée par un microbe appelé bacille diphtérique. Cette maladie se manifeste par une inflammation hein, de, de l'arrière-gorge et comparable aux angines. Et dans les manifestations, il y a la perte de la voix et par la suite s'ensuit l'asphyxie. Le sérum est une préparation à base du plasma sans fibrinogène prélevé à un organisme humain ou encore à un animal, mais contenant de nombreux anticorps ou antitoxines spécifiques à certains microbes. En guise d'exemple, nous avions le sérum antitannique, le sérum euh, antivenimeux, point de suspension. Alors, la sérothérapie, La sérothérapie ici est un traitement fait à base de sérum mais à titre curatif. Le mot thérapie veut dire traitement médical d'une maladie. La vaccinothérapie c'est un traitement fait à base des vaccins à titre préventif. L'anatoxythérapie, c'est un traitement fait à base d'anatoxines à titre préventif. La séro vaccinothérapie, c'est l'emploi combiné d'un vaccin et d'un sérum à titre préventif. la séro c'est l'emploi combiné du sérum et du vaccin à titre curatif. chers élèves, la leçon portant sur la découverte de la sérothérapie à partir de la diphtérie, est terminée. Au revoir et à bientôt.